Bonjour, bienvenue sur Castor's Nest. Quel plaisir de vous retrouver. Vous avez vu, on a changé de décor, on est bien, il fait beau. Enfin, je ne sais pas chez vous, mais ici, c'est plutôt pas mal. Bienvenue chez Castor's Nest pour ce match d'Open Division Round 4 avec à la bagarre aujourd'hui les Project W contre AdFriend. Un match qui s'annonce d'ores et déjà épique avec quelques FR. Chauvinisme, vous connaissez. Et pour parler un petit peu de ces équipes en profondeur, eh bien, je suis en compagnie de Bernabix. Bernabix, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Hâte de recommencer cette Open Division, le round numéro 4 du Winner Bracket. On n'a pas pu cast hier avec des petits soucis, avec des tout simplement pas les horaires disponibles. Mais nous sommes là pour vous assurer le show lors de ce bon dimanche 9 du 9 mai. Un dimanche chaud, un dimanche très chaud. Donc on va essayer d'aller au plus vite. Le Project W, une équipe française du coup composée de Ediz, Arca, Sar, Daemon, Natlox, qu'on remercie énormément. Natlox, je te fais des bisous si tu m'entends sur le stream. Merci beaucoup. Ah, c'est beau. De net, incroyable. Et Disclosure, en face, les AdFriend, une équipe anglophone avec donc Maitho, Will, Kiwi, Team, Soaks et Ghost. Nous allons directement partir sur Busan en BO5. On ne tarde pas ici. On est totalement fou. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. On va sur Busan. On est sur le centre mecha. Les compositions vont bientôt s'afficher, mon bon Max. Et d'ailleurs, au-delà de ça, je vais juste parler du format. On est sur un BO5 avec donc Busan qui est la première carte. Et ensuite, ce sera une escorte, une hybride, une tout CP et une nouvelle fois une contrôle. Et s'il y a une sixième carte qui peut arriver à cause des matchs nuls, on aura une nouvelle fois une contrôle qui sera choisie différente de celle de Busan et de la cinquième choisie. Voilà, mon bon Max. J'essaie de résumer. Et bah, ce pas sera de souci. Alors base mecha, du coup, on peut jouer énormément de choses, de la rush pour prendre le contrôle sur la hauteur. On a vu pas mal de dive également parfois jouer, donc énormément de possibilités sur cette carte. Visiblement, eh ben écoute, pour l'instant, on est en train de choisir ces compositions. Une Symmetra Torbjörn, alors j'aimerais énormément garder la Symmetra Torbjörn, malheureusement, je pense que ça va switch incessamment sous peu. Et pourquoi pas? Et pourquoi et pas pour... Mais ah, remarque, ça pourrait faire la surprise hein, avec le téléporteur, en tout cas les deux téléportants vont être posés du côté de Ediz et de Will. Et regarde, Ediz lui aussi va sur Torbjörn, donc on va avoir bien un duel de Torbjörn sur cette base mecha de Busan. On a aussi le bulldozer du côté un Sigma, de l'autre côté une Zarya pour mieux protéger son bulldozer, essayer de temporiser un maximum de dégâts. Malheureusement, Demon fera le premier sang sur Maitzo avec son Torbjörn. Ouais, on est sur le contrôle, sur la hauteur, hein, les bleus qui s'installent bien correctement, on met la pression suffisamment au choke pour faire reculer cette possibilité de recontest. Voilà, on va faire le tour, peut-être essayer de repasser par l'autre côté. Voilà, c'est toujours important de contrôler ces hauteurs, et ça on l'a bien compris, on joue sur des plateformes diamétralement opposées, mais l'idée reste la même, avoir la hauteur. Avoir la hauteur, clairement, regardez, hein, les deux équipes qui se jouent la hauteur, la Echo avec ses grenades collantes qui essayent de faire un maximum de dégâts mais qui sont bien absorbés par la captation cinétique, et Maitzo qui récupère le kill là par contre sur Arca. Très très bonne opening hein, pour cette équipe des AdFriend qui vont en plus récupérer Natlox qui est en train de réanimer Arca, qui a d'ailleurs pu utiliser sa résurrection mais malheureusement qui est tombé au combat, et du coup c'est une situation de 2 pour 2 maintenant avec l'équipe de Sar, mais c'est bel et bien fait pour l'équipe des AdFriend qui vont récupérer le point. Il ne reste plus que le Torbjörn qui tombe des orbes de Ghost, et on part avec 27% en poche du côté des Project W. Ouais, on n'a pas trop tardé à hein, récupérer. Là, il faut se remettre en position, essayer de temporiser pour que tout le monde soit bien installé, parce que d'ores et déjà, on est de retour à l'attaque avec les Project W qui vont et ben peut-être tenter d'aller chercher Will. Will qui est déjà pas mal chargé, 63%. Attention tout de même aussi à l'ultimate de Madeto qui pourrait faire pas mal de dégâts, et Langage qui est fait à l'instant avec le champ de mine peut-être pour créer quelques dégâts. Non, c'est du zoning pur et dur. On va quand même récupérer une petite tourelle au passage, mais ça va pas, c'est pas le clutch move de ce début de fight. Par contre, Arca, la tête qui va connecter sur Sox, ça c'est plus intéressant déjà. Ah, c'est une tête qui est parfaite parce qu'on n'a pas de réanimation possible hein, du côté de cette équipe des AdFriend, et du coup avec Natlox, avec sa Valkyrie, ça fait la différence ici. On a en plus le cœur de magma qui a été jeté sur le point pour essayer de zoner, et ça fonctionne bien sur Kiwi qui va tomber avec son bulldozer. On revient au compte-goutte sur le point, mais le point est récupéré par cette équipe du Project W, l'équipe française qui remet le couvercle ici avec deux capacités ultimes utilisées, et maintenant deux en poche, la transcendance ainsi que le bob de Arca. Ouais, l'autre côté par contre, côté AdFriend, on est... Alors on va pas avoir un Big Six parce que Kiwi est quand même très loin, mais par contre on va avoir 5 ultimates assez importants ici à faire valoir.
avec peut-être Kiwi qui peut charger son champ de mine assez vite. Pour l'instant, on temporise encore, on essaie de gratter encore quelques ultimates. Will qui est pas loin, qui va avoir son ulti maintenant, peut-être pour l'engage. Non, c'est directement l'orbe à Graviton qui va partir avec Edith, qui va faire un massacre à l'intérieur, ça n'aura pas servi ça. Et le doublé Edith, c'est fait, on est en train d'oblitérer cette équipe à grand coup de shrapnel. Damon qui va y aller de son petit kill également, et c'est encore un teamfight remporté facilement avec des capacités ultimes qui sont tombées de l'autre côté, mais les Project W qui restent en contrôle. Ouais, il reste en contrôle, disque dur, très très bonne transcendance qui vient contrer le cœur de magma et le burst qui est apporté par l'ultimate du Torbjorn. Et en plus de ça, on a pu charger des capacités ultimes, l'autodestruction, les mines aussi de Sar qui prend l'avantage sur Kiwi. On a tout de même le ralliement et la transcendance qui sont disponibles. Kiwi vient de débloquer son champ de mine à l'instant même. Il va falloir toucher le point maintenant, on est potentiellement sur le dernier fight. Ouais, et les ultimates maintenant, c'est plus à l'avantage des Project W, la rotation. Là, en plus, Edith qui va récupérer Kiwi d'entrée de jeu. Ça, c'est intéressant. La bombe peut-être pour zoner pour récupérer un kill. Mais on s'est bien protégé. On envoie la transcendance derrière. Ghost qui vient à la rescousse de son équipe parce que maintenant, on est sur un principe de contest. Il faut récupérer ce point. Mais Ghost qui va tomber à la sortie de sa transcendance. Ouais, Ghost qui tombe des coups de arc avec un très bon pilonnage de la part de Sark qui est en train de faire la différence ici, qui temporise sur le point au maximum et qui va tomber, j'ai l'impression, du côté de Lazare. Non, au final il survit grâce au très bon travail de pile de Natlox. Damon aussi qui fait un énorme travail pour protéger. Attention, potentiel boob qui vient mettre le joueur dans l'eau de Busan. C'est parfait de la part de Kiwi avec son bulldozer qui fait la différence. Ça permet à cette équipe des Atrem de récupérer le point, mon bon Max. Oh, Kiwi, le triplé qui vient sauver cette map pour l'instant. Parfaitement exécuté, voilà, il est allé jouer avec tout ce qu'il pouvait, il a mis des boops, il a mis des coups de mêlée. Bref, Kiwi là qui vient vraiment donner de l'air, et quel air à son équipe. 90% d'ultimate, on est plutôt à l'avantage quand même des Project W sur les ressources, mais sait-on jamais, il a montré qu'il était capable de clutch le main tank des Earthfriend, mais là il va tomber. Ah, et d'entrée de jeu, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus le point a été récupéré du côté des Project W. Il reste maintenant le Sigma qui va se prendre une dynamite malgré sa captation cinétique et qui va tomber alors que le Bob lui vient de se faire récupérer, qui a temporisé la backlane de cette équipe d'Adfriends. Il reste plus que le Torbjorn qui va utiliser son cœur de magma qui est un petit peu absorbé par la Diva de Daemon. Il va pouvoir placer avec en plus les mines. On zone au max. Oh, on récupère le kill sur Sar. Malheureusement, tellement de monde est tombé du côté d'Adfriends. On revient en compte-goutte et c'est fait. Pour cette équipe des Project W, la carte de Busan commence très fort avec un 100 à 75, mais tellement tendu dans les fights. Ouais, ça se joue à pas grand-chose, soit une bonne rotation d'ulti, soit un clutch venu tout droit dérouler boulet du bulldozer. Donc c'est contesté, c'est bien, c'est une bonne entrée de match, on va avoir du spectacle. J'espère que vous êtes contents, que vous êtes bien chez vous, parce que là, on est parti pour déjeuner ensemble. Alors on est parti pour déjeuner, et surtout si le match dure, on pourrait partir sur 6 cartes, hein, si on voudrait bien avoir... Oh, on va taper le goûter. On va taper le goûter avec. On y va, de toute façon on s'en fout des autres matchs, là on fait ce match sur 6 cartes et les autres casters ils se... Ils viennent, ils nous rejoignent. Hein. Ils nous rejoignent après, voilà. On fait une viewing. On fait une viewing à 8 personnes, je peux vous dire que c'est assez horrible, assez dur. Mais en tout cas, on est parti maintenant sur le temple de Busan. Avec donc ce tambour aussi qui est très intéressant à suivre parce qu'on a les deux bulldozers qui peuvent tourner autour. Il y a aussi une Mei qui peut faire son apparition. Pour l'instant on reste sur les mêmes compositions, si ce n'est Team qui passe sur la Diva à la place du Sigma. Ouais, c'est vraiment la seule différence globalement. Parce que pour le reste c'est vraiment... On prend les mêmes et on recommence. Pour l'instant ce sont nos amis Project W qui ont pris l'avantage sur le point. On est en train de s'installer, de contrôler. On a laissé sa backlane vraiment en sécurité, en hauteur, avec seulement Damon sur le point pour pouvoir revenir pile en cas de besoin. Mais c'est lui qui va contester tout seul. Et Arca au loin qui va commencer à faire les dégâts, récupérer Madeto. Et c'est déjà un avantage de 1 en faveur des Project W. Ouais, Arca, hein, boosté par Natlox qui fait un énorme travail ici, qui va en plus aider Edith à récupérer ce kill sur Kiwi. On n'a plus vraiment d'agression possible, hein, du côté des Adfriends, parce qu'on n'a plus ce fer de lance qui est le bulldozer. On doit reculer, attendre le main tank de cette équipe anglaise, et on va revenir ensuite pour essayer de mettre l'agression. Malheureusement, Disclosure qui est, si ce n'est un très bon groupe de techno, qui vient de récupérer une tête sur Ghost énorme. Ah, il lui a dit c'est only you and me, et derrière, pan, dans la tête, terminé, on renvoie le bon Ghost au spawn, et c'est déjà un burst de dégâts en moins parce qu'on n'a pas de Discord. Et pour l'instant, Kiwi, lui, il se fait focus, il se fait un petit peu maltraité par cette équipe des Project W. Il va être obligé de reculer, reprendre un peu de soin, et on laisse Damon toujours sur le point pour contester. C'est lui qui est en charge d'assurer la sécurité de ce point. Ouais, attention Kiwi qui est trop loin ici, qui essaie de pilonner Arca. Malheureusement Arca a répondu avec un très bon peeling une nouvelle fois de Sar et de Natlox. Et du coup c'est un double kill malgré la perte de Disclosure, excusez-moi. Sox tombera de la tourelle
2 et 10 qui fait la différence une nouvelle fois. Disclosure en plus se fera ramener à la vie par Natlox avec sa ange. Alors que Meizo vient de tomber, très bon fight une nouvelle fois des Project W qui chargent leur capacité ultime. Et le Big 6 dont on parlait lors de la du premier tiers de Busan est présent pour l'équipe française. Ouais mais là franchement, alors je sais pas ce que tu penses de cette manière de jouer, mais je trouve que c'est tellement smart et en même temps tellement pénible pour les Hatfriends parce qu'il y a vraiment que Daemon sur le point. Et quand on veut essayer de dive, d'aller chercher quelqu'un derrière, et ben on n'a pas le temps, on se fait allumer à l'image de Kiwi là qui est encore sous le feu des projecteurs. Mais tu vois, on n'arrive pas à aller chercher cette backline des Project W. Ouais attention, les premières capacités ultimes d'ailleurs qui ont été envoyées, le bulldozer de Sar ainsi que la briquette et le tourbillon de Meizo qui sont en train d'envoyer leur capacité ultime. On a essayé le bomb maintenant pour temporiser au maximum sur le point, essayer de mettre des dégâts. Mais il est dans le cœur de Magma donc du coup il va tomber, il va perdre des HP très vite. Et malheureusement cette ulti sera un petit peu nullifiée alors que ça récupère le kill sur Meizo. C'est une situation pour l'instant de 2 pour 1, on a en plus le champ de mid qui en est investi de la part de Kiwi. L'autodestruction de Daemon qui est bien placée sur le point. Malheureusement elle a été un petit peu loupée, elle a glissé hein, sur le point et on ne pourra pas récupérer de kill. Ouais là maintenant c'est le dernier contest, en plus avec la transcendance c'est compliqué. Kiwi il est face à la transcendance, face à la discorde, face à tout ce qui est possible, imaginable, il va tomber. Et il reste plus grand monde sur le point, il faut faire tomber cette baby diva, c'est fait. Et la Echo et le Lucio maintenant, le Torbjörn en contest et on a récupéré le point par le miracle de je ne sais pas quoi. Mais à mon avis ça devrait être compliqué de, voilà, de rester en contrôle. On va récupérer les derniers, faire tomber la prolongation et vraisemblablement récupérer cette première map. Voilà. On va pas dire sans trop de difficultés, mais quand même, ouais, de manière assez convaincante. Ouais, une belle gestion hein, de la part des Project W, surtout sur leur capacité ultime. L'action de la partie vous sera proposée par Disclosure avec son Zenyatta, et ça fait plaisir, évidemment. Ah, c'est la transcendance. Ah, cette transcendance, hein. Cette transcendance qui vient nullifier tout simplement deux capacités ultimes et ça fait la différence. Disclosure qui a fait un énorme travail avec aussi Natlox, la backlane. On fait clairement la différence contrairement à Sox et Ghost. Sox qui était sur une brigitte un peu plus compliquée de tenir tout le monde et de... On jouait beaucoup plus l'agression du côté des Hatfriends alors que Project W jouait plus le poke et ça s'est très bien vu avec Natlox qui jouait très bien avec Arca ainsi que Ediz avec son Torbjörn. Ça a fait la différence en bon. Ouais et puis le damage boost d'entrée de jeu qui permet de récupérer un premier kill sur le Torbjörn. Enfin ouais. Déjà de base, voilà, on avait énormément de difficultés et ça se voyait sur la fin, on est obligé d'envoyer le cœur du magma en mode quarterback LFL pour essayer de toucher quelqu'un derrière. Oui. Donc voilà, ça montre clairement la difficulté que ça a été pour les Hatfriends d'aller chercher l'agression sur cette équipe des Project W qui était extrêmement bien protégée et qui avait Daemon qui faisait des allers-retours en cas de besoin avec le bulldozer qui le suivait si, en cas de nécessité aussi. Donc on avait un plan de jeu, il a été tenu du début à la fin et très bien exécuté et je pense que ça fait la différence du moins sur ce side. Sur ce side, en tout cas, c'est toujours les cartes de contrôle sont un petit peu différentes. Ouais. Hein, on peut jouer des compositions un peu plus ouvertes. On va voir en tout cas. On a un changement du côté des Hatfriends. Will, le DPS Flex qui va sortir pour faire rentrer Réflexion. Réflexion qui est un gros joueur hein, qui est sur le ladder, qui est un des plus gros joueurs, je crois, de Tracer, si je ne m'abuse, en Europe. Donc ça va être très intéressant de suivre. Si je ne m'abuse, attention, je dis peut-être. Oh là là, oh là là. Je dis peut-être des bêtises. Nous sommes d'ailleurs. Nous allons rentrer sur une carte italienne. La seule pour l'instant dans Overwatch, mais qui sera secondée de Rome sur Overwatch 2. Tu fais les trucs comme ça, arrête pas d'Overwatch 2. Évidemment que je parle d'Overwatch 2 comme ça parce que il est fou et que ça donne la hype, et ça me donne encore de l'envie. Nous allons rentrer du coup sur Rialto, carte donc d'escorte, comme vous le savez, puisque je vous l'ai dit, si vous m'avez suivi, c'était une escorte. Et juste après, on aura une hybride. Les Project W d'ailleurs resteront en défense. Ouais, et là, pareil, que jouer sur ce genre de carte. On a vu pas mal de dive également, le Winston qui peut être bien. On a pas mal de rush aussi. Mais bon, on sait que les Reinhardt en ce moment, ils prennent un petit peu la max aussi. Donc, écoute, je pense que ça peut rester assez ouvert aussi sur les compositions. Je m'attendais pas à avoir un Torbjörn sur la première map. Ouais. Alors, qu'attendre de Rialto énormément de possibilités, je pense. Alors, après, voilà. On fait rentrer Reflection sur de la Tracer, peut-être jouer quelque chose de plus divey, essayer d'aller finir justement ces cibles qu'on n'arrivait pas à trouver sur Busan. Je pense que c'est ça, il leur manque le finish sur le dernier coup pour achever une cible. Quoi. Ouais, bien sûr. Donc peut-être que cette envie vient de là. Reflection, il va être là pour achever.
Et on va voir, en tout cas, on est clairement hein, du côté de Reflection, on va être un petit peu le fer de lance, on espère en tout cas de, pour relancer la machine Adfriend dans ce BO5 lors de cette Open Division. On est déjà sur le round 4 et on vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le but de l'Open Division, ça offre les deux, les personnes qui sont, les deux équipes qui sont en finale, sont, leurs deux places sont offertes lors des Contenders Trials pour aller tenter leur chance, pour aller se qualifier lors des Contenders. Donc ce sont deux places qui sont importantes, c'est une compétition qui est importante et qu'il faut prendre au sérieux et non au conditionnel. Donc du coup, mon Max, ça va être très intéressant de voir qui va pouvoir sortir déjà de ce match et aller en plus à la fin rencontrer des plus grosses équipes. Voilà. à vous, t'as un peu la haine d'avoir parlé de Rialto et maintenant on est comme ça à attendre dans le bateau en mode bon. En fait, c'est quand est-ce qu'on y va? Quand est-ce qu'on débarque? On fait attendez les gars. Je parlais de Rialto, j'ai vu que tout le monde était prêt, j'ai vu les équipes. Ouais, t'as la haine, hein. Ah, t'as le démon. Non mais écoute, démon, pardon. Mais oui, bon écoute, ça arrive, on est en train de vérifier un peu, je pense, les dernières informations, les derniers conseils. Parce que je pense qu'il y avait pas mal de choses à retirer de cette première map. Ouais. Encore une fois, les changements ont été faits en fonction de. Par contre, voilà, Rialto, ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vu. J'ai un peu hâte de retrouver cette map. Donc, j'espère qu'elle va arriver vite. Parce que voilà, on est sur une de mes maps préférées. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont m'insulter pour ça. Mais j'adore Rialto. Et surtout, j'adore toutes les possibilités qu'elle offre. Toutes les manières de venir un petit peu en sneaky derrière. Donc, j'espère qu'on va jouer là-dessus. Que Reflection, il va pouvoir s'illustrer. Qu'il va nous offrir du beau jeu. Qui va nous offrir de belles éliminations, des full clips dans la tête. Bref, j'attends énormément de cette carte. J'attends énormément du réveil, enfin du réveil, du retour de ces Adfriends. Et puis j'espère qu'on va avoir du beau jeu. J'espère qu'on va avoir du beau jeu sur cette carte de Rialto, sachant que de plus, Rialto est une carte qui peut proposer différentes compositions lors du passage du convoi. Sur le premier point, on peut jouer totalement une double shield hein, du côté, une grosse poke du côté de la défense, et sur le deuxième, rentrer plutôt sur de la brawl et repasser sur de la double shield ou sur une dive lors du troisième. Donc on a vraiment beaucoup de compositions différentes qui peuvent être jouées sur cette carte de Rialto. Pour l'instant, on a l'air de rester sur les mêmes compositions le soldat de chaque côté pour les deux équipes, avec le soldat de réflexion, ou de Reflection, comme vous voulez, évidemment, hein, l'accent français dominera, ne vous inquiétez pas, l'anticat. Mais donc voilà, le soldat de réflexion, évidemment, qui peut apporter ce poke qu'apportait Arca en face, et que n'apportait pas beaucoup Will avec sa écho, parce que c'est beaucoup plus compliqué de poke avec une écho de loin. Ouais. Et Rialto propose à peu près les mêmes choses que la base mecha de Busan, des hauteurs, mais qui sont très 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 éloignées des hauteurs défensives. Ouais, en tout cas, Reflection qui va passer sur Tracer, je suis déçu. Je pensais qu'il allait nous faire une petite référence à Dallas cette nuit, mais non, on va rester sur la Tracer. Et pareil, un peu déçu, j'aurais bien aimé voir ces fameuses agressions directement en sortie de spawn qu'ont fait les grandes heures de Rialto, à vraiment prendre d'entrée de jeu le combat à bras le corps. Non, on va jouer un peu plus sereinement, un peu plus en retrait. On va laisser le temps à cette équipe voilà, d'avancer pour les prendre dans le couloir. Et Arca, d'entrée de jeu, la première élimination, voilà. On a laissé avancer pour mieux stopper après. Ouais, c'est bien joué hein, de la part de Arca, une nouvelle fois qui fait la différence. Ici, on le sait, le DPS scan de cette équipe des Project W qui a fort à faire face aux deux DPS que sont Mezzo et Reflection. Et pour l'instant, il le fait très bien dans son match. Edis qui récupère la tourelle de Mezzo. D'énormes dégâts ont été mis sur Team et sur Reflection. Il va falloir reculer un petit peu, remettre tout le monde en point de vie. Et j'ai l'impression quand même que cette backlane ne fait pas vraiment ce qu'il faut en termes de heal, étant donné que c'est Brigitte et Zenyatta, c'est des cibles qui sont uniques. Alors qu'en plus, on perd de Kiwi. C'est très compliqué pour l'instant pour cette équipe. Ouais, là c'est vrai qu'en plus on cale de très bonnes dynamiques. Arca il est chaud d'entrée de jeu hein, là depuis le début de ce match. Il cale de bonnes têtes, là la dynamite elle a mis vraiment tout le monde dans le mal. Écoute, la hache chez les Project W qui fait le taf. On est bien, on a forcé du coup un petit peu le repositionnement de cette équipe des Adfriends qui prennent maintenant la hauteur, qui vont commencer peut-être un travail de poke pour espérer gratter quelques ultimates. Pour l'instant voilà, on va commencer maintenant à s'installer sur le point et essayer de faire avancer tout ça. Mais Daemon en surveillance quoi. Ouais, Daemon qui surveille une nouvelle fois et qui récupère le kill sur Kiwi malheureusement et qui n'arrive pas vraiment à exister hein. Sur cette carte de Rialto depuis tout à l'heure, il se fait bien contrôler. Les équipes sont tellement espacées que du coup il n'arrive pas à trouver une cible ou deux cibles à pilonner intelligemment.
Et c'est dommage pour cette équipe, hein, parce que du coup, bah, c'est clairement la différence. On a Kemki qui essaie de jouer le point, alors qu'on a le cœur de Magma qui est parfait. Regardez, il est en train de zoner cette équipe sur le point. On ne laisse pas le choix. L'autodestruction plus qui est parfaite, mais le kill sont déjà faits. Team qui tombera des coups de Daemon. Énormément quand même de capacité ultime. Vous voyez la bombe qui a été absorbée par Daemon. Mais Daemon est en train de faire un travail. Il est en train de donner du, il est en train de donner du caviar à tout le monde. Et du caviar de haute qualité en plus. Ouais. Là, je pense que c'est vraiment une des cibles prioritaires, enfin une des cibles, c'est pas maintenant qu'on va aller chercher le off-tank forcément, mais c'est vraiment la personne qu'il faut réussir à gérer avec Arca, je trouve. C'est vraiment les deux éléments problématiques de cette équipe des Project W, en tout cas ceux qui font le plus mal au Hatfriend. On va pouvoir agresser maintenant avec Madeto qui a récupéré un kill sur Edis, ça c'est bien, un peu moins de pression, mais la transcendance qui va venir en réponse à ce cœur du magma encore une fois. On a de très beaux réflexes chez Disclosure et derrière on envoie la Valkyrie pour reprendre le contrôle, reprendre un petit peu d'agressivité avec le damage boost et le soin de zone. Ça va permettre peut-être d'aller chercher la reconquête du point, mais non. Ouais, le point qui a été récupéré, Sark est allé un petit peu trop loin, il a voulu redonner un second souffle à ce fight, malheureusement il s'est fait contrôler très rapidement par cette équipe des Hatfriend. On a quand même réanimé du côté de Netlock Disclosure avec son Zenyatta, mais est-ce qu'on peut toucher le point? En tout cas Sark est en train de le faire avec son bulldozer temporisé au maximum. On a aussi Demon qui est là et Disclosure qui touche une très bonne Discord sur Mage. Est-ce qu'on peut récupérer le kill dessus? J'ai pas l'impression, le point est disputé, il ne reste plus que 44 cm maintenant pour débloquer ce point. Le cœur de Magma qui vient d'apparaître, mais regardez les captations cinétiques qui a presque absorbé la moitié du cœur de Magma, c'est parfait. La très bonne grenade anti-heal qui récupère la tourelle, on récupère les dégâts suffisants, on va pouvoir normalement, si le fight ne se fait pas clutch, récupérer ce point. Point, c'est fait. Très bon travail de Reflection et de Kiwi qui ont mis la zizanie dans cette backlane des Project W qui doivent reculer et aller maintenant défendre le deuxième point. Ouais, et tu parlais au début de la carte du manque de soins apporté par le combo Brigitte et Zen. Et bah, on t'a entendu, Ghost qui part sur la Ana et ça fait son affaire. On a la possibilité d'anti-heal en plus. Et avec la transcendance de Disclosure qui les cale parfaitement, et bah, avoir une grenade à l'intérieur, ça aide beaucoup. Et là, Kiwi qui récupère avec son ultimate Disclosure, ça c'est intéressant. La bombe qui connecte sur Ediz et c'est déjà deux éliminations récupérées en entrée de combat. C'est très intéressant, on commence enfin à dérouler chez ces Hatfriend avec la petite tête de Kiwi sur Arca derrière. Sublime. Alors l'autodestruction de Daemon qui était malheureusement un petit peu trop forcée ici, on perd une capacité ultime importante alors que Ghost fait un petit peu dive par Daemon, mais il est tout seul le joueur de Diva avec en plus là maintenant l'arrivée de Star et de la transcendance de Disclosure. Attention, on est train de quand même remettre un second souffle, un second fight ici pour temporiser. Daemon va tomber alors qu'il était tout simplement anti-heal avec son mecha avec 4 points de vie. Le Bob qui va très loin mais qui va se faire contrôler, qui va se faire récupérer très rapidement dans la captation cinétique. Bob n'a pas existé dans ce fight, même si Ghost s'est fait récupérer. Au final on va continuer à avancer, on est en train de revenir au maximum sur le point pour cette équipe défensive. On le sait, le spawn est largement à leur avantage. Ghost va prendre beaucoup plus de temps que Notlox par exemple qui vient de tomber. Ah, le Bob il s'est pris un tête-tête contre les... il est arrivé, il a pas compris, c'était MMA style pour lui. Mais quoi qu'il en soit, Arca maintenant, eh ben on va profiter de tout ça, peut-être récupérer un nouveau Bob. Non, pas le temps parce que eh bien on a d'ores et déjà capté le deuxième point. Madeto avec un tourelle kill sur la hache. Oh là là, la tourelle tellement horrible. Tellement horrible les tourelles. Ah, les tourelles horribles mais qui apportent des dégâts constants et qui du coup ça fait travailler ses shields, ça fait travailler ses tanks hein, qui doivent du coup prendre aussi en compte la tourelle qui fait des dégâts quand même qui sont assez conséquents hein, quand on prend par exemple 5 ou 6 coups alors qu'on regarde il y a eu le fight qui vient de s'engager. Et comme je le disais, la tourelle vient de récupérer le kill sur Mezzo avec le très bon cœur de magma qui va quand même faire reculer cette équipe. Mais on ne perd pas énormément de monde. Disclosure qui va tomber, des coups de réflexion, la très bonne bombe à impulsion malheureusement qui ne récupérera pas de kit mais que des dégâts sur Demon. Mais qui va se faire remonter en ville, Demon qui fait d'ailleurs un énorme travail en récupérant la Tracer qui l'avait agressé. Arca va récupérer le main tank de l'équipe de Hatfriend et on va devoir reconstruire son combat, reconstruire son escarmouche, se replacer du côté des Project W et pourquoi pas utiliser ce Bob into ce champ de mine qui pourrait faire la différence avec cette W. Oh la tête! Oh, Madeto il a pris une praline le pauvre. Derrière on enchaîne, Disclosure qui tombe également, encore deux kills de récupérer, Daemon qui tombe, ça aussi. Voilà. Ça s'appelle enchaîner. On prend une élimination et derrière on déroule. Parfait là encore. Il suffit juste de bien timer son agression pour partir en même temps sur les cibles, les calls qui étaient très bien exécutés. Et là maintenant, eh ben, il va falloir commencer à faire les éliminations rapidement pour pouvoir arriver au bout.
Et regardez, on passe sur la double shield de sa défense. Attention avec le très bon flux gravitationnel. Oh là là. Avec un une très très bonne halte. Malheureusement, cette halte ne sera pas suffisante parce qu'on va se faire tenir en point de vie avec le très bon travail de Ghost. On a les mines qui ont été activées alors que Arc avec son Bob essaie de récupérer un maximum de dégâts. Mais Kiwi est en train de faire une différence énorme. Il est létal sur son bulldozer. Attention tout de même, il va tomber du cœur de Magma et des dégâts de Natlox. Est-ce qu'on pourrait faire la différence du côté de cette équipe des Project W pour défendre au moins plus, revenir plus rapidement? La transcendance qui est là pour temporiser. Et on doit reculer malheureusement pour cette équipe. Équipe d'Adfriend, la transcendance par contre a été une capacité importante. Elle est utilisée surtout pour temporiser, on le sait. Mais maintenant, Reflection à sa capacité ultime, Mezdo va l'avoir. On a aussi Team qui va avoir son flux gravitationnel déjà très rapidement dans le fight. Ça va être très intéressant de voir ce qu'il peut faire. Je suis pas fan de l'utilisation de la transcendance aussi. C'est pour temporiser. Voilà. Ouais, mais enfin selon moi, le fight était déjà plus ou moins gagné. Tu vois, on avait reculé. Donc voilà. Bon, de toute façon, on verra s'ils vont le payer un peu plus tard. Il reste 30 secondes maintenant, tu vois. C'est une transcendance qui aurait pu être utile maintenant. Quoi qu'il en soit, on est toujours en train de se remobiliser en ce qui concerne nos amis d'Adfriend pour peut-être repartir derrière la grenade biotique qui a été utilisée maintenant. On sait, on a un petit timing pour partir à l'agression. Est-ce qu'on va en profiter? Non. On temporise, on utilise son shield bien comme il faut en ce qui concerne le bon démon pour attendre. On prend des éliminations et on prend pas le poids. Derrière, on se fait allumer dans le petit couloir. On est tous rentrés. Et 10 qui était là pour les attendre. On termine sur un team fight parfait. On a renvoyé toute l'équipe d'Adfriend au spawn. Très mauvaise idée d'aller s'engager dans ce petit couloir alors qu'on était attendu. On est allé dans un goulot d'étranglement et face à une on m'a dit là il y a un Torbjorn qui est passé derrière, une Orisa qui a tenu la fronte. Et ça a fait la différence pour cette équipe des Project W qui défendent à seulement 3m20 de ce troisième point de Rialto. Mais ils défendent et ils peuvent donc aller chercher la victoire sur cette carte italienne. Malheureusement, on a vu que les Adfriend n'ont pas envie de lâcher ce match. Ils ont fait un deuxième point quasi parfait, ils ne sont pas arrêtés presque. Malgré le petit fight à la fin, le Bob qui a été annihilé, hein, clairement, il a pris une captation. Il a pris tout simplement tout l'amour du 9-3. Il s'est pris des coups de coude. Il s'est pris tout, vraiment. Et on va voir, en tout cas les compositions s'affichent et la défense reste sur la même composition que lors de l'attaque. Si ce n'est que Ghost a déjà pris sa Ana à la place de reprendre le Zenyatta qui a fait la différence. D'ailleurs, on a vu Natlox hein, qui a changé sur un Baptiste et lui aussi. Ouais. Avec sa hanche, c'était beaucoup plus compliqué. Le Baptiste a clairement fait la différence. Après, on le sait en défense, dès qu'on passe sur une double shield, il vaut mieux avoir un Baptiste qu'une hanche. Ouais, je me faisais la réflexion aussi justement sur le fait que c'est là où on voit le plaisir et vraiment l'avantage d'Overwatch, c'est qu'on peut switch à n'importe quel moment, changer de joueur pour vraiment s'adapter au mieux et on sent qu'il y avait vraiment un plan de jeu qui était défini point par point en cas de contestation, en cas de tout. Donc c'est toujours assez intéressant de voir les changements qui sont faits par les équipes selon les moments, à voir si on va encore profiter de ce genre de tactique sur ce point. Quoi qu'il en soit, une première dynamique qui est partie, qui me semble-t-il ne fait pas énormément de dégâts, et le travail de Poke qui s'installe des deux côtés. Voilà, maintenant c'est Wait and See qui prendra la première élimination. Attention, Edis qui a pris énormément de poke et c'est Team malheureusement qui tombera. Project W qui va donc pouvoir réavancer alors qu'on vient de tomber. Edis, attention tout de même, mais la réanimation de Natlox est là. Et c'est le but aussi de ne pas hésiter à agresser un tout petit peu plus. On a toujours cette résurrection proposée par la hanche de Natlox qui fait la différence, qui a déjà 75% de sa Valkyrie chargée. On va bientôt avoir la capacité ultime du heal français, si je ne m'abuse, ou peut-être belge, enfin francophone du moins. Bien rattrapé. Et alors que Arca récupère le kill sur Sox, une nouvelle fois les Project W déroulent, mais Natlox tombe de la très bonne bombe de Reflection. Attention. Ouais, ça c'est compliqué parce qu'il avait son ultimate, donc ça va manquer. Et derrière, voilà le Nano Boost qui est parti sur le bulldozer, le Nano Boost pour aller récupérer une première élimination en compagnie de Madetto derrière. Est-ce qu'on va agresser? Non. On va juste utiliser ce Nano pour arrêter l'avancée, arrêter ce combat et reprendre ses positions, souffler. Et là voilà, maintenant on prend les informations et visiblement on est en train de partir à la chasse au Torbjorn. Ouais, alors que Reflection s'est pris une volée d'orbes qui l'a fait tomber à 6 points de vie. Heureusement il avait son recall, il a pu l'utiliser, son rappel ici. Attention, Arca, le double kill qui fait la différence ici. Et du coup voilà, on va pouvoir avancer normalement malgré quand même qu'on soit en 4 contre 6, on va essayer de tenir au maximum, temporiser, essayer de récupérer son point. Regardez, on a maintenant le cœur de Magma qui est là pour temporiser. La captation cinétique a été arrêtée par Daemon avec une très bonne compression qui va le faire tomber en plus, son homologue, et qui va donc du coup devoir maintenant revenir du spawn alors que le fight continue de faire rage sur ce point. On a la toile qui met un maximum de dégâts, la brigade de Sox qui revient avec la Tracer de Reflection, mais on va tomber.
Ghost qui finira lui aussi par tomber des balles de Arca qui est létale aujourd'hui et qui est en feu. Et du coup ça fait la différence, on récupère le premier point avec 4 minutes 22 de time. Arca il a ouvert vraiment la voie à ses coéquipiers avec un petit double kill, la petite tête qui permet derrière encore une fois d'accélérer, d'avancer, contrôle des hauteurs instantané bien évidemment avec peut-être cet ultimate pour faire tomber quelqu'un, c'est Sox qui va y passer, Natlox récupérer de l'autre côté, mais c'est un 2 pour 1 qui s'engage, 3-4 pour 1 maintenant, bref, teamfight d'ores et déjà remporté, à moins que... Mais ça sera compliqué quand même, je pense, pour Reflection de faire son effet, voilà. Mais on a quand même... Qui va mettre un terme. Du côté de Reflection, on a quand même récupéré les deux healers, on a récupéré Natlox avec une très bonne bombe à impulsion, malheureusement, le champ gravitationnel aura fait la différence, et Disclosure qui va devoir prendre un peu plus de temps pour revenir avec son Zenyatta, il ne peut pas voler comme le fait la hanche de Natlox. Du coup, on peut essayer d'entamer un fight en 5 contre 6 déjà du côté de cette équipe. Dad the Friends, c'est ce qu'on a l'impression, c'est ce qu'on est en train de faire. Le Bob qui a été invoqué d'ailleurs, mais qui a été endormi. Très bonne flèche tranquillisante de la part de Ghost avec son Anno Boost. On a aussi Team avec son flux gravitationnel, malheureusement un petit peu loupé, qui ne récupérera personne et qui ne connectera pas. Alors que son main tank, lui, va tomber des balles de Arca. Oh, Kiwi qui s'est fait. Qui s'est fait shrapneled. Disclosure et Arca, voilà, on cale les têtes bien comme il faut. Les dynamites également, et derrière, encore une fois, on déroule. Et tout part de cette petite élimination sur Kiwi, la pression en moins, le main tank en moins, et derrière, et ben voilà, moins de protection, moins de possibilités de faire bouger cette équipe des Project W. Et ça permet d'avancer tout de suite. Regarde cette agression, cette pression qui est mise. Le payload qui arrive seulement au tournant, mais on est déjà en train d'agresser l'équipe à la sortie du spell. Attention, les deux champs de mine qui ont été invoqués. Sar, le double kill ici qui fait la différence une nouvelle fois, alors que Kiwi récupère le kill sur Disclosure dans la backlane, mais qui va être réanimé. C'est fait déjà par Sar avec son bulldozer qui vient à lui tout seul, d'offrir presque 40 mètres à son équipe. Et maintenant, on n'est plus qu'à 10 mètres de la victoire sur cette carte de Rialto. On est en train de temporiser au maximum avec un bulldozer, nano boost avec une diva. Le très bon flux gravitationnel qui permet d'avancer alors qu'on a été... Non, on a été récupéré par Demon. C'est terrible, mais on va quand même réussir à faire double kill du côté des Project W. Ah ouais, Team et Kiwi en plus qui sont pas loin de la mort. Arca qui récupère le off-tank, mais derrière le Bob qui tombe. Netlox, la battle merci pour récupérer Kiwi et Disclosure, le doublé. Pour peut-être aller enfin au bout, il faut récupérer... Oh là 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 là, il fallait récupérer Lucio, mais qui n'arrivera même pas à contester. 2-0, sec pour ces Project W, malgré une très belle prestation des Ad Friends, on est vraiment en forme, et Damon, ça ne m'étonne pas de le voir signer ce POTG. Oh, il est dur, hein. J'aurais presque attribué à Sar, vu le travail qu'il a fait lui aussi avec son bulldozer, le pilonnage pour mettre tout le monde dans le flux gravitationnel, les c'est mines qui étaient là pour répondre. C'est pas faux. En tout cas, les Project W, l'équipe francophone, mène 2 à 0 dans ce match pour aller chercher le round numéro 5 de l'Open Division. Et ça fonctionne, ça joue très bien du côté de ces joueurs. Ils ont vraiment été, ils sont à la hauteur, et malgré un très bon deuxième side de l'équipe des AdFriends, et bien le Project W, eux aussi font presque, ils font aussi bien, mais par contre ils concrétisent et ils vont aller chercher avec un énorme travail de Sar avec son bulldozer qui met la pression, qui joue intelligemment, mais qui joue très bien avec Damon aussi. Ça fait la différence. Les Project W mènent 2 à 0 et sauf 3 balles de match potentiel. Ouais, c'est ça. Et je trouve qu'en plus il y a un réel sang-froid. Alors Damon, il s'est fait récupérer une fois quand même sur son ultime, mais là tu vois, on voit vraiment flux gravitationnel, et derrière il sait qu'il y a l'angle, et vraiment il se cache, il sait qu'il est bas en point de vie, il profite de cet angle même s'il voit plus les cibles pour ne pas se faire annuler son ultimate. Alors ça peut paraître débile, mais mine de rien, dans la partie il faut y penser, parce que derrière les AdFriends ils sont quand même très bons, et la pression est mise. C'est toujours intéressant de voir vraiment que une équipe qui garde son sang-froid et qui arrive à faire les choix de base, mine de rien, sur Overwatch, mais qui arrive à vraiment les installer, bah derrière on arrive quand même à avancer, quoi. C'est du Overwatch 101 de garder les angles, mais ils le font vraiment très bien.
Ouais, très très bien hein, de la part des Project W. Les AdFriend maintenant vont devoir faire une remontada pour essayer de repasser et de remporter ce match 3-2. Ils vont avoir une nouvelle fois le choix de la carte. Il y a des changements dans la composition des AdFriend. Ouais. Will qui rentre et Kiwi qui sort pour Void. On va peut-être passer sur une Brawl assez logiquement. Ça m'étonnerait pas parce qu'on a vu que Kiwi n'a joué que Bulldozer. Il n'a pas joué d'autres picks, donc ça m'étonnerait pas qu'on repasse sur une carte Brawl. Et comme prononcé à l'instant même, on ira sur King's Row, la map anglaise. Ça paraît assez logique. Ça paraît assez logique. Si on fait rentrer un Reinhardt de profession, ça paraît évidemment très logique. Les joueurs sont prêts, évidemment. Nous sommes prêts pour cette troisième carte de King's Row. Ça va être très intéressant de voir si les Project W vont réussir à s'adapter par rapport à la composition d'AdFriend qui a l'air d'être annoncée. Hein. On est sur de la Brawl en face cependant. La Project W, je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont pouvoir jouer. Peut-être encore une fois cette ball diva. Ça m'étonnerait quand même parce que si on se prend une agression de front, on pourrait directement perdre Disclosure ainsi que Netlocks. Ouais, ou peut-être une sorte de double shield sur la hauteur pour protéger le premier point, essayer peut-être. Mais voilà, c'est vrai que c'est tout de suite compliqué quoi. C'est tout de suite compliqué à moins peut-être de jouer la miroir, mais. Disons que c'est vrai que King's Row c'est vraiment la map Brawl où derrière jouer autre chose c'est compliqué quoi. Donc c'est juste classique mon bon Max en même temps. C'est vrai que voilà, en dehors de jouer la miroir, quoi qu'il en soit, on prendrait une agression du tonnerre à un moment ou à un autre quoi. Donc soit jouer de la poke pour vraiment maintenir à distance et charger des ultimates, essayer de contester comme ça avec une bonne rotation. Soit jouer le miroir. Et oui, mais on pourrait aussi avoir l'apparition d'une fatale, hein, la Mélie Lacroix qui avait fait son plus beau meurtre ici, sur Mandata. Ça pourrait faire aussi une petite différence rien qu'en début de fight. Regardez Will, hein, bah, qui, Will. Qui est parti sur une Mélie Lacroix et composition qui s'affiche. Et regardez, en finale, Void va partir, sur un Sigma. On sait un joueur off-tank. Et Team qui est pas sur une Orisa, va-t-on garder vraiment cette composition jusqu'à la fin? C'est à une double shield. Ça peut être la clé face à c'est une dive control, je ne sais pas. Et regardez comment on défend aussi, hein, les positions défensives sont très intéressantes. On défend très loin, on défend sur la hauteur, on ne se montre pas, ça c'est sûr et certain. Mais de toute façon, on va vraiment jouer le poke au maximum. Cependant, on répond poke par poke, donc c'est à voir. Les shields, je pense, vont être plus intéressants du côté du Team Void. Ça pourrait changer de composition très rapidement du côté de la défense. Ouais, comme attendu, on joue vraiment le contrôle opposé, hein, directement sur la hauteur, parce qu'à un moment, il va falloir avancer sur le point, et quand on devra y aller, et bah derrière, le point de vue, il sera parfait pour caler ses meilleures têtes. Donc, contrôle de la hauteur obligatoire pour nos amis de Project W. On passe par l'hôtel pour l'instant, pour peut-être contourner, essayer d'aller jouer le point par l'autre côté. Oh, attention à Arca quand même, hein, ouais. Arca qui se balade, hein, qui essaie de mettre un maximum de dégâts. De toute façon, Will aussi qui est en train de prendre un moment d'agression. Ediz qui vient de prendre une Discord et qui s'est pris quelques grenades collantes devenant ce bon Will. Une nouvelle fois qui est rentré, on vous le rappelle, ainsi que Void, hein, qui est pour vous qui nous rejoignez. Les équipes n'ont pas changé de side d'ailleurs. Le premier champ du mentalité qui a été envoyé par Sox, mais qui va malheureusement se faire récupérer tout comme Void. À l'instant même, les deux tanks viennent de tomber. Ça va être très compliqué pour cette attaque maintenant. Très très gros travail de Disclosure avec sa Discord et de Ediz avec sa, qui est bien aidé par sa tourelle, mais qui fait un travail parfait en termes de pression et d'agression. Ouais, c'est dommage, on avait un bon plan de jeu, faire une rotation, forcer le mouvement de cette équipe et derrière s'installer sur le point avec le shield, le Baptiste, pour vraiment empêcher d'avoir accès aux têtes et aux corps de cette équipe des AdFriend. Mais voilà, malheureusement, eh ben, l'agression de Daemon, elle a été au poil et, ça a permis de récupérer tout le monde à l'intérieur malgré le champ d'immortalité. Donc, est-ce qu'on va tenter peut-être encore une fois cette tactique? Ça me semble compliqué parce que là maintenant on est au courant. Ouais, on est au courant, attention hein, le très bon pilonnage de Sark qui fait un maximum de dégâts, qui cherche surtout son champ de mine. Attention aussi à cette dynamite de Arca qui vient de toucher, qui vient de connecter, excusez-moi, sur tous les joueurs. Et Sox qui prend de la pression et qui va tomber. Et on pourrait avoir aussi le champ de mine qui pourrait apparaître. On a énormément de capacités ultimes, bientôt 6 hein, pour la défense. L'attaque, elle, c'est beaucoup plus compliqué. Sox, malheureusement, qui a changé sur sa merde, qui a 40%, un énorme retard par rapport à Natlox. Oh là 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 là, le champ de mine dans le couloir en total manque de respect pour mettre tout le monde dans la mouise. On va en plus encore une fois envoyer son ultimate. Alors, autant sur la première fois on avait eu débat sur est-ce que c'était intéressant d'envoyer la transcendance, autant là on est d'accord, c'était peut-être un petit peu trop.
Ah, c'était un petit peu trop tard, hein. Je pense Voilà, que on est d'accord. les deux premiers kills avaient fait le nécessaire. Vraiment pour tout simplement clore cette escarmouche et cette capacité ultime que les Hatfren prennent volontiers, hein, évidemment. Ils vont essayer de s'en servir. On a Sigma, le bouclier de Sigma qui vient de tomber, qui a été néantisé. Louis, pareil, il a été néantisé aussi. Et en plus, il vient de tomber des côtés des balles de Sar. Sar a dit non. Et quand Sar dit non, on tombe très rapidement. Void, lui aussi, va tomber de la dynamite. Ça se passe très bien pour les Project W, leur plan est parfait. Ouais, pas sûr que. Pas sûr que c'était vraiment le Zenyatta que Will voulait dupliquer. J'ai un petit doute, mais il me semble pas. Ou en tout cas, c'était peut-être pas le meilleur moment pour le faire parce que, ouais, il a pris un focus instantané et le Zenyatta, c'est un peu une chips, quoi, malheureusement. Ah, Zenyatta, c'est plus qu'une chips en fait, c'est quelque chose. Ah, tu touffes dessus, c'est. T'as pont sous la langue, hein, Zenyatta, vraiment. C'est une très bonne sucrerie, mais ce n'est rien. En tout cas, on a toujours derrière Ghost qui vient se faire récupérer. On a le Torbjorn de Maezo qui est scruté aussi. La team est split alors que ce n'est pas but du côté de l'attaque des Hatfren. Ça va être très compliqué maintenant pour essayer de retrouver un très bon setup. On a quand même des très bonnes sticky qui pourraient récupérer Daemon. Malheureusement, Daemon a été très bien protégé par la tourelle de Edis qui récupère Will. S'il utilisait son rayon focalisant, Will il pourrait presque faire un 3 kills. Malheureusement, il a été récupéré avant. Et Sar continue son travail d'orfèvre, même si c'est un travail un peu bourrin de Sar, c'est un travail d'orfèvre du côté de Sar. Il va se faire récupérer, il faut en profiter de ce kill sur Sar, ouais. Il faut en profiter mon bon match. Allez, Will qui a récupéré, enfin Will qui récupère Sar, ça c'est bien, maintenant faut enchaîner. Edis qui tombe également, c'est du 2 pour rien parce que Ghost a été ramené à la vie. Attention à ce flux gravitationnel qui va peut-être amener quelqu'un d'explosion qui fait tomber Sima et Edis et Archa maintenant. Et Daemon pour venir conclure. Pour venir conclure cette attaque et cette défense. Oh là là, on en avait pris deux, mais alors on s'en est pris quatre derrière. Le champ gravitationnel. Le champ gravitationnel de Daemon est parfait. Mais Daemon sur 20. Daemon sur 20 est comboté avec le champ de mine de Sar juste en dessous. C'est juste exceptionnel le travail qui a été fait. Il aura par les fait une Devil Bat. Daemon, il aura fait une Devil Bat dédicace à vous si vous avez cette ref, mais. Sublime, incroyable encore une fois, le clutch play du duo tank de ces Project W. Et Project W, pareil, ça commence à être vraiment leur projet à eux, du moins sur ce match, quoi. Parce que là, on est à 33% d'un 3-0 ciao à plus, quoi. On est sur un 3-0 qui aurait été parfait. Presque parfait, très peu d'erreurs. Ouais. Peut-être les transcendances de disclosure qui sont un petit peu ciblées parce que ce sont des ultimates qui sont scrutés par les deux équipes et par les spectateurs évidemment. Mais hormis ça, c'est presque pas grave d'assurer limite une transcendance pour éviter de faire tomber des joueurs et qu'on ne se reprenne pas une agression 20 secondes après. Il ne faut pas hésiter parfois et là c'est fait. Les compositions qui sont d'ailleurs affichées, Daemon qui se répartit sur un chopper, j'ai quelques doutes. Je vais pas vous mentir, je pense que voilà, on va reprendre un Sigma des familles. Natlox qui passe sur une ange, tiens c'est étonnant. En face on garde cependant la double shield sur la hauteur. Voir comment va être jouée cette dive du côté du Project W. Peut-être qu'on va directement aller sur le point. Et ça pourrait être terrible pour l'équipe des Hatfren qui jouent contre leur destin maintenant. Ouais, et c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup, mais Natlox à chaque fois qu'il y a une élimination, je crois que toutes ou presque les premières éliminations sur cette équipe des Project W a été réanimée par Natlox. À chaque fois, je le vois dans le kill feed ramener quelqu'un à la vie. Donc, oh là 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 là, et derrière, d'entrée de jeu, paf la tête et derrière la dynamite. J'ai l'impression qu'on a déjà vu ça quelque part. Ma défense oh non derrière. Et derrière, oh là là, mais ça aura duré 30 secondes. Voilà, Disclosure, Arca, Edis pour clôturer. Edis, il a fait le double kill. Cette map pour clôturer ce match, pour clôturer ce round et les Project W qui filent vers le round 5 et qui salue toutes les futures équipes qui vont tomber dessus. Allez, on va terminer. Voilà, Netlox, on en parlait. On va vous laisser profiter de ce petit gameplay. Merci. Ouais, alors. Il a touché tout le monde. Ça reste questionnable. Il a touché tout le monde. Et les kills au marteau de Edis. Les kills au marteau de Eddie. Je veux pas en parler. Pour mettre le couvercle sur cette marmite pleine de sel. Et je veux pas en parler. C'était impressionnant. Impressionnant les Project W qui remportent ce round 4 de cette rencontre. En 49 minutes. 49 minutes. Oui, pardon, on a eu les POTG. En 40 minutes, parce qu'il y a aussi, on a commencé un petit peu plus tard. En 40 minutes, c'est
parfait les Project W du coup qui avancent et on leur ils souhaite, avaient faim. On leur souhaite tout simplement le meilleur parce qu'en même temps c'est une équipe francophone, on a envie d'aller les voir, aller chercher pourquoi pas les Contenders Trials, on aimerait du moins qu'ils aillent chercher les Contenders Trials, ça va être très intéressant de voir tout ça. En tout cas, c'était un plaisir. On va pas vous mentir, on doit pas tarder parce que il y a des castes qui s'enchaînent toute la journée. Vous allez avoir à 13h30, puis après à 15h, puis après à 16h30. Ça s'enchaîne, l'Open Division, c'est le format. On a beaucoup de matchs en BO5 des équipes qui font partie du gratin européen pour aller chercher les places de Contenders Trials, mon bon Max. Et c'est un plaisir, vraiment un plaisir. Je te laisse le mot, la phrase de fin, le paragraphe de fin, parce que là vraiment. Eh bah écoutez, merci d'avoir suivi ce match. Un réel plaisir de reprendre à tes côtés aussi. On en profite, n'hésitez pas, si jamais vous aimez tout simplement les casts Overwatch de manière générale, à aller suivre CN sur Twitter, à nous suivre même respectivement pour avoir nos petites informations, ça nous aide, ça nous donne de la visibilité, et c'est toujours un plaisir, parce que nous, ça nous permet de vous transmettre quelques informations. Si jamais ça vous tente, toujours également les petits follow, les subs, les Tipeee, bref, tout ce qui peut nous permettre de nous aider aussi à vous proposer des matchs toujours plus de qualité. Eh bien écoutez, on prend parce que ça nous touche, vous êtes déjà de plus en plus nombreux à nous aider, donc merci encore, on espère que vous prenez autant de plaisir que nous à suivre ces matchs et à les suivre toute la journée. On passe la main à nos futurs casters de la journée et puis nous on vous fait des gros bisous, à bientôt sur Caster's Nest et profitez de cette journée Open Division. Salut! Ciao ciao!
We'll be right back.